Rebonjour à chacun, à chacune. Bien écoutez, chose promise, chose due. Je vais vous donner quelques indices si vous le voulez, si ça vous intéresse surtout, pour pouvoir justement activer ces 7 clés lorsque vous changez de cap. La première clé que je vais vous présenter là sur cette vidéo maintenant, c'est la clé essentielle. La toute première, elle est essentielle. Bien sûr, toutes elles ont de l'importance, mais celle-ci, c'est celle qui va vous permettre d'activer les suivantes. Et vous en découvrira comment les autres s'activent après. La première clé, c'est lorsque vous voulez changer de cap, c'est définir exactement et précisément ce que vous souhaitez. C'est la vraie question à se poser. Que voulez-vous précisément? Alors j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais je sais ce que je veux être heureux. Ok, bien évidemment, c'est un objectif de changement de cap qui est très pertinent. Mais c'est pas assez précis. Mon bonheur pour moi, c'est peut-être pas le même que pour vous. Précisément, cela consiste en quoi être heureux, si c'était le mot. Précisément, je veux trouver un job. Ok, précisément, c'est quoi à trouver un job? N'importe quel job? C'est celui-ci qui va vous permettre juste d'être heureux? Ou juste de survivre? Non, ce que vous voulez définir, c'est un changement de cap. C'est aller vers une direction. C'est trouver du sens. Remettre de la reliance, une forme d'énergie intérieure qui fait que, ok, quand vous vous levez le matin, c'est, mais c'est exactement ça que je veux. Et c'est exactement le bien à ma place à laquelle je suis. Définir précisément votre objectif. Plus c'est précis, mieux c'est. Si je veux gagner de l'argent, c'est pas suffisamment précis. C'est, je veux gagner combien, combien par mois, combien par jour, et ce que cela implique derrière. Si c'est me remettre en contact avec des amitiés que je n'ai pas réussi à avoir, du succès amical ou du succès amoureux, ok, du succès amoureux, c'est quoi précisément pour vous? Qu'est-ce qui correspondrait exactement à ce changement de cap correspondant au succès amoureux? Etc., etc. Donc posez-vous déjà cette première question-là, définissez ce que vous voulez, dites je veux ça, et ensuite décortiquez-le pour pouvoir le donner avec le plus de faits mesurables. Le plus précis, c'est des faits mesurables. Voilà pour la première clé. La prochaine à suivre. À bientôt.